court extrait, Aurélien Pradier et Troublant, le cumul des rémunérations avant de devenir député. Finalement, il y a du gaullisme dans Pradier. Souvenez-vous de l'amertume du général de Gaulle, qui résumait en « je n'aime pas les miens parce qu'ils aiment trop l'argent ». Je ne sais pas si j'ai vraiment l'accent de Gaulle. En tout cas, certains prétendent que je n'ai pas l'accent Pradier. Court extrait de la première partie de cet essai, dont le nom est Aurélien Pradier Troublant, qui ne figure pas encore parmi les best-sellers. Une première partie intitulée « Expérience professionnelle, sacoche chez Pradier Communication ». Après un développement de comparaison de la communication Pradier avec sa déclaration à la HATVP 2017, c'est la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique qui est utile, mais qui n'est peut-être pas consultée par les adversaires de M. Pradier ni par les journalistes qui reprennent parfois ses affirmations. J'en arrive à un constat. Ainsi, en mars 2015, Aurélien Pradier toucha des rémunérations comme travailleur au cabinet du président du département de l'Aveyron, travailleur, conseil, salarié, dirigeant, cadre, Andros, via sa SAS Humani Conseil. Vous ne connaissez pas Humani Conseil, il semble bien qu'il n'y ait eu qu'un seul employé et qu'il n'y ait peut-être eu qu'un seul contrat, c'est ce qu'on en conclut. Maire de la Bastide-Murat, oui, M. Pradier fut maire de la Bastide-Murat, président de la communauté de communes du COS de la Bastide-Murat, oui, c'était encore une manière de passer à la caisse. Ça, ce sont des petits commentaires qui ne figurent pas dans le bouquin. Ce qui figure dans le bouquin, c'est une forme de conclusion de cette vidéo où je m'exclame « Quel homme !» Tout en s'agitant suffisamment, on était en mars 2015, je vous rappelle, dans les instants de son parti pour en obtenir cette année-là le secrétariat départemental et la tête de liste lotoise du régnier bande des régionales en Occitanie. On serait aussi très intéressé par la réaction de Madame Martignac, Monique Martignac, qui fut conseillère régionale et qui a été virée de son poste de secrétaire départemental cette année-là, en 2015. C'est lui arrivé par téléphone. Oui, il y a un petit extrait quand même d'une de ses déclarations, mais qui n'est pas récente. C'est du travail de journalistes, ce que n'en font pas nos journalistes, peut-être parce qu'ils sont trop occupés ou peut-être parce qu'ils tiennent à avoir des bonnes relations avec les personnes importantes.